Yes.
Comment s'élever ta voix devant la volonté de Dieu dans ta vie. On reçoit une volonté ensemble. C'est la volonté à niveau de la vérité. C'est la volonté à votre maturité. C'est la volonté ensemble la tombe à l'eau. La tombe ensemble, on était à soirée. Et Je vais écouter un enfant de Dieu prier ce matin. Demandez la volonté du Père ce matin dans sa vie. Comme on est ensemble, quitte à l'ensemble de l'eau. Comme on est ensemble, quitte à la vie de l'eau. Comme on est ensemble, quitte à la vie de l'eau. Comme on est ensemble, quitte à la vie de l'eau. Comme on est tu es là. Devant ton Père qui t'aime. Tu es là devant ton Père. Merci Seigneur Jésus. Père toi. Ce matin, confesse de ta bouche.
La foi, il a déclaré à son père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Tu veux demander à la chorale pour nous emmener dans l'atmosphère de l'adoration. Il est là présent. Il est à ton cœur. Il a besoin de ton cœur maintenant. Il a besoin de combler ce vide. Ce vide qui est en toi. Il est là. Comme ça. Elle lui dit, notre Dieu est esprit. Quand l'esprit du Seigneur est là, nous sommes libres. Je suis disposé à toi. Dispose-toi là où tu es. Je suis disposé. Ce vide qui est là, il est prêt à remplir ce vide. La Bible déclare que la terre était forme et vide. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Quelque chose. Cette femme avait dit, si je touche seulement, je serai guéri. Voici ce matin, quand tu touches cette présence qui est là, il est là, le Saint-Esprit est là, il attend une parole de toi ce matin. Oui, donc qu'il puisse se manifester dans ta vie. Elle lui déclare que quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit change l'atmosphère. Et les ténèbres ne résistent pas. C'est maintenant que tu vas invoquer la puissance. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Oui, élève ta voix, commence à prier. Elle lui déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et maintenant que tu vas invoquer cette puissance, le Saint-Esprit connaît.
cet ami. Le Saint-Esprit te connaît. Il est là le paraclet. Il est là le défenseur. Il est là ton avocat. Il est là tout pour toi. Il est là le consolateur. Oui, élève-toi, recommence à prier là où tu es. Élève-toi, recommence à prier là où tu es. Merci Seigneur Jésus. Libère cette puissance. La vie de Dieu, que l'esprit que je vous enverrai. Je rappelle l'esprit de timidité. Je serai l'esprit de puissance et de poids pour vous. Il a emporté ce qu'est. Il a emporté ce qu'est au-delà de ses limites. Il a dit Ézéchiel prophétise. Ézéchiel prophétise et moi l'éternel je soufflerai. Oui, il est là ce matin pour souffler. Il est là le matin pour changer quelque chose dans ta vie. Quand il descend, il change. Quand il descend, il change l'atmosphère. Libéré. Il est là présent. Il est là parmi
donner ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas donner ce moment entre les mains de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de la parole.
sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, Papa, fais du soi un instrument où le Saint-Esprit agit. Commence à prier. J'ai envie de t'écouter prier de cette parole ce matin. Nous allons recevoir cette parole par l'adoration. Le frère Brésil va nous emporter encore pour recevoir la parole de Dieu. Enseigne, Seigneur Dieu, et tu
utilise ma bouche. Utilise ma bouche, Seigneur Dieu. Que je sois un simple instrument. Tout ce que tu as prévu pour nous, tes enfants, que nous puissions recevoir. Alors que tu sèmes dans nos cœurs. Laisse que, pendant que ta parole est déclarée, ta parole est prêchée, ta parole est enseignée, ceux qui sont malades soient guéris. Les cœurs blessés soient pansés, Seigneur. Tendre Père. Laisse que, après la parole, Seigneur Dieu, nous soyons complètement et totalement changés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire bonjour, Shalom? Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui jaillissent les sources de vie. Amen. Amen. Nous sommes toujours sur ce thème. Tu as la responsabilité de ton cœur. Quand la Bible dit garde ton cœur, Dieu te donne la responsabilité. Chaque fois, je répète cette même phrase. Dieu ne demande pas à ce que tu ailles vers ton pasteur, vers un prophète, pour qu'il soit responsable de ton cœur. Dieu dit garde. Partout où vous allez lire dans la Bible, garde, veille, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Aujourd'hui, Dieu te rappelle encore. Dieu te dit, garde ton cœur. Tu as la responsabilité de ton cœur. Depuis le samedi passé, le sous-thème de notre enseignement, c'est la cause et la guérison des maladies du cœur. Nous avons fait un diagnostic la fois dernière. Nous avons dit qu'un cœur endurci, c'est un cœur qui vit sans amour, sans compassion. Nous avons passé notre cœur au scanner par la lecture d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, le verset 15 et le verset 16. Amen. Aujourd'hui, nous poursuivons. Nous avons eu aussi à faire une prière, nous avons demandé à Dieu de faire de sorte que tout ce qui est, nous pouvons aussi haïr. Tout ce qui attriste Dieu, nous attriste aussi. C'est un exercice. Je ne sais pas si quelqu'un, durant toute la semaine, a fait un effort de haïr ce que Dieu est. Quelqu'un a été attristé par ce qui attriste tout le Saint-Esprit. Réveille-toi. Tu es à l'église. Tu es l'église. Réveille-toi.
pourquoi tu dois te réveiller? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et que tu vis pour servir Dieu. Le passage d'aujourd'hui, ou l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons le tirer dans le livre de Proverbes, toujours. Le chapitre 28. Le verset 14. Proverbes chapitre 28, verset 14. Nous allons lire au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parole de l'Éternel. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Un cœur qui n'a pas de crainte, c'est un cœur dur. Parce que tu vas tomber tout le temps dans le malheur. Tu n'as pas la crainte. Tu tombes dans le malheur. Mais nous revenons toujours. C'est quoi un cœur dur? Ça veut dire que c'est un cœur qui vit sans la crainte de Dieu. Un cœur qui vit sans sincérité. C'est une maladie. Un chrétien qui vit sans sincérité. Tu n'es pas sincère. Tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, dis-toi que tu ne viens pas pour le pasteur. Tu ne viens pas pour l'homme de Dieu. Tu ne viens pas pour les chants. Tu viens pour Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je peux dire que tous ceux qui viennent ici connaissent ce passage. La Bible dit, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc, quand tu viens ici, tu dois avoir la foi. Le passage ne s'arrête pas là. Il dit que tous ceux qui cherchent Dieu doivent croire que Dieu existe et que c'est lui qui paye tout ce qui les cherche. Donc quand tu viens ici, tu sais que c'est Dieu qui va te payer, c'est Dieu le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Amen. Amen. Donc tu ne viens pas ici pour perdre ton temps. Tu ne viens pas pour chercher la main de Dieu. Tu viens pour chercher la présence de Dieu. Dans la présence, tu as tout. Et à la main. Amen. Amen. Ne cherche pas d'abord la main de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Un cœur sans sincérité, un cœur sans humilité. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la sincérité, tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas l'obéissance, mais tu vis dans la course effrénée. Ça veut dire que tu poursuis le vent, tu ne pourras pas attraper le vent. La guérison des maladies du cœur, la guérison de l'endurcissement du cœur commence par la crainte de Dieu. Amen. Amen. Commence par la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la crainte de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte
de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu n'a pas la sagesse. La véritable foi, quand on dit la foi, c'est voir Dieu même dans l'invisible. Amen. Tu dois croire que Dieu est là où tu es. Quand tu vois Dieu, quand tu es seul, là tu penses que tu es seul, tu vois Dieu tout le temps. C'est ça la foi. C'est ça la crainte de Dieu. Pour commencer à prendre la sagesse, tu dois tout le temps te poser une question. Tout le temps avant de faire quelque chose. Amen. Représente-toi que Dieu est là. Tu te dis, est-ce que ce que je veux faire, si Dieu se matérialise, Dieu devient physique, je peux le faire devant Dieu? Si la réponse est oui, alors que c'est une bonne chose, fais-le. Si la réponse est non, ne le fais pas. C'est ça le début de la fin. Tu vas commencer à grandir. À grandir dans la sagesse. Tu vas commencer à craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Tout ce qui l'observe, quand on parle de l'observation, c'est l'obéissance. Quand tu observes la crainte de Dieu, c'est déjà une raison saine. Et sa gloire se révélera dans ta vie. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, tu commences petit à petit à devenir sage. Celui qui a la sagesse, c'est celui qui a l'amour. Amen. Oui. Tu crains Dieu, tu vois Dieu partout. Même dans celui qui t'a fait le mal, tu vois Dieu. Ça veut dire que tu ne pourras pas rendre le mal pour le mal. Parce que tu vas chercher à rendre le mal à Dieu. Tu dis, si mon frère, celui qui s'avère comme mon adversaire, celui qui s'avère comme mon ennemi, est aujourd'hui debout, tu penses à Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que sa compassion ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu a renouvelé sa bonté, ses compassions sur cette personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le pardonnes. Tu pardonnes. Nous allons prendre l'exemple de l'exemple de Joseph. Nous allons lire Genèse 39 à partir du verset 8. Genèse 39 à partir du verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne dépend, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parle, tous les jours à Joseph, il refusa d'aller avec elle. Il refusa d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle ne saisit pas son vêtement en disant,
couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Joseph pouvait dire que là, je suis seul. Il n'y a personne. Mais Joseph avait dit Dieu. Il dit, ce que tu me demandes de faire ne plaît pas à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Je ne peux pas le faire. Il n'y a personne. Mais quand tu te retrouves seul dans le secret, Joseph avait vu Dieu. Amen. Elle dit, il vit au-dedans de moi. Il a eu cette révélation. Quand tu sais, tu as la révélation que tu es le temple de Dieu. Tu as compris que tu es réellement le temple de Dieu. Tu vas commencer à vivre avec la crainte de Dieu. Parce que tu te diras que tu n'es pas seul. Partout où tu iras, Dieu est avec toi. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu cherches quoi? Tu cherches des gens, tu es seul. Joseph a refusé, il a dit non, non, non. Je ne peux pas. Dis à ton voisin, je ne peux pas le faire. Ah, je ne peux pas le faire. Parce que Dieu vit en moi. Ah, tu as honte de le déclarer. Tu n'es pas sûr que Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. C'est le moment d'être plus sérieux. C'est le moment d'être plus sérieux. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais des règles élémentaires, nous n'arrivons pas à les appliquer. Nous ne voyons pas Dieu en nous. Commençons à avoir la crainte. Et David aussi était comme ça. David. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de David. Amen. Amen. David. En hébreu, ça veut dire quoi, David? David, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Ce n'est pas un bien-aimé des hommes, mais bien-aimé de Dieu. Tu peux aussi dire que Dieu m'aime. Dieu est à ton voisin. Dieu m'aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Voilà, tu es le bien-aimé de Dieu. De voir. Il a cherché à se comporter comme dans chaque cas ce que Joseph a fait. Il a dit on est seul, mais je ne peux pas le faire. On m'a rien interdit, sauf toi. Il observe, il a eu la crainte de Dieu. Personne ne le voyait. Il pouvait le faire. Il a dit non, je ne peux pas. Josué chapitre 1, verset combien? 8. Josué chapitre 1, verset combien? 8. Josué chapitre 1, verset combien? 8. C'est très bien. C'est ça l'étude de la parole. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre, normalement, c'est les yeux. Hein? Quand tu regardes, c'est avec les yeux. Et tu prononces avec la parole. Tu ne dois pas seulement lire, mais tu dois prononcer ce qui est écrit. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Numéro 1. Numéro 2. Médite le jour et nuit. Aujourd'hui, c'est le jour. Tu médites la parole. À midi, tu médites la parole. La nuit, tu médites la parole. Mais toi, à midi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai entendu le pasteur maison dire novelas. Le soir, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas te retrouver le soir à la place de méditer à la parole de Dieu? Prononce la parole. Étudie la parole. Médite à la parole. Agis selon la parole. Et la conséquence, tu réussiras dans tout. Domaine. Tu auras du succès dans tout ce que tu feras. La parole dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Médite cette parole.
prononce cette parole jusqu'à ce que cette parole va se faire chair. Amen. Amen. Tu prononces la parole, tu médites à la parole. Quand ça va se faire chair, ça veut dire que tu commences à agir selon la parole. Tu commences à marcher avec Dieu. La marche avec Dieu nécessite la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas de crainte sans humilité. Quand tu vis dans la crainte, c'est ce que j'ai dit, ça sera difficile que tu sois atteint de la maladie du cœur. C'est difficile que tu aies un cœur dur. C'est difficile que ton cœur s'endurcisse. Parce que tu as la crainte. Tu vois Dieu partout. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Quand tu gardes ta foi en Dieu, ça veut dire que pour toi, Dieu est plus vrai. La parole de Dieu est plus vraie que tout ce que tu vois. Amen. Amen. La parole de Dieu est plus vraie. Ce que Dieu t'a dit, on a déjà parlé de ça ici. Parce que Dieu l'a dit, donc Dieu va le faire. Et tu vis dans la crainte. David a dit dans Psaume 139. Nous avons dit, nous avons beaucoup parlé de David. David avait la crainte de Dieu. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il est conscient. Avant que tu ne parles. David était un homme comme toi et moi, David. Il n'était pas un surhomme. Il n'était pas un ange. Il était un homme comme toi. David n'était pas parfait. Mais David avait la crainte de Dieu. David n'était pas parfait. Mais David était un homme sincère. Avec Dieu. Et avec lui-même. Je ne sais pas si tu trouves le temps de faire la réunion avec toi-même. Tu peux regarder dans ton calendrier et tu provoques une réunion avec toi-même pour savoir si tu es sincère avec toi-même. Si tu es sincère avec toi-même. Quand tu vas te rendre compte que tu es sincère avec toi-même, cherche à être sincère avec Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, tu seras sincère avec les hommes. La sincérité. Où irais-je loin de toi, esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Dieu partout. Il voit Dieu partout. Il voyait Dieu partout.
C'est ça qui donne la crainte. Tu te retrouves dans un milieu qui est peut-être trop professionnel. Parce que les autres font quelque chose, toi tu es obligé de le faire. Non. Tu ne le fais pas parce que les autres le font. Tu peux être seul contre tous. Mais quand tu es seul contre tous, ça veut dire que tu es avec Dieu. Ne le fais pas. On ne fait pas des choses pour plaire aux hommes. On fait des choses pour plaire à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23. Faites toutes choses de bon cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen. Amen. De bon cœur, de bon cœur. Et tu fais avec amour. Quand tu fais avec amour, tu plais à Dieu. Ne faites pas des choses parce que tout le monde le fait. Nous avons parlé ici, on a vu comment Caleb était seul contre plus de 3 millions de personnes. Parce qu'il s'est confié à ce que Dieu avait dit. Joseph était un homme sincère. Dans 1 Roi chapitre 9, verset 4, la Bible dit, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité. » Amen. Voilà. David a marché avec Dieu, mais avec sincérité. On en doit toujours le faire intervenir. Si tu te retrouves dans ça, change. Tu partais à contre-courant. La sincérité restée derrière. Retourne-toi. Cherche la sincérité. Vis avec sincérité. L'absence de sincérité t'envoie vers l'hypocrisie totale. L'absence de sincérité. David reconnaissait ses fautes. David savait comment changer de direction. Je veux que maintenant là, que nous faisons un examen de conscience. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 8, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu dis aujourd'hui que tu es sincère. Tu es menteur. Quelqu'un doit demander à Dieu d'être sincère. Quelqu'un doit demander maintenant à Dieu d'avoir la crainte. Tu as marché toute la semaine sans la crainte. Nous voulons même parler en profondeur de l'humilité. Parce que ça empêche de dire ce seulement du cœur. Non, Dieu, ce seulement du cœur. Humilité. Demande au chant. C'est vrai, tu as prié. Maintenant que tu as écouté la portion de la parole, je veux que tu sois touché. Ne cherche pas seulement que Dieu te touche. Ne cherche pas seulement pardon, mais tu touches Dieu, mais que Dieu te touche. Pour la crainte. Pour que tu vives selon la crainte de l'éternel. Parce que c'est ça le commencement de la sagesse. Je veux qu'on prenne quelques moments de prière avant de prêcher. Quelques moments de prière. Tu ne vas pas demander mille choses. Tu vas demander la crainte. Tu vas regarder passer ton cœur. De la parole que tu veux. Concentre-toi.
verset 1. Et nous allons poursuivre à partir du verset 13. La Bible déclare, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Verset 11. David appela les sacrificateurs, Tzadok et Abiathar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille, les Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. L'arche de l'Alliance. Un jour, nous parlerons en long et en large de ce passage. Ce passage nous parle de comment l'arche était tombée. Parce qu'ils avaient mis les chariots. Ils ont voulu transporter par les chariots. La loi dit que l'arche doit être portée par les Lévites. David étant roi, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? La manière dont David parle aux autres. Le verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Il ne dit pas à cause de vous. L'Éternel nous a frappés. Car nous, il se met à la place des autres. Car nous ne l'avons pas cherché par là. Selon la loi, selon la parole, David revenait toujours à la parole de Dieu. Quelle humilité! Proverbe 15, 33, on est toujours sur ce passage. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte enseigne la sagesse. L'humilité, il n'y a pas de crainte sans humilité. Et l'humilité précède la gloire. Si tu veux être élevé, fais-toi petit. Ça veut dire que l'élévation vient de Dieu. Amen. La promotion vient de Dieu. Tu cherches la promotion. Tu cherches une percée dans ta vie. Tu veux percer. Humilie-toi. Sois humble. Respecte les autres. Considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Le proverbe 18, verset 12, nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc, quand tu te lèves, ce qui vient après, c'est quoi? La ruine. Chute libre.
David a répondu. Il parle à ses compagnons, il parle à ses collaborateurs. Parce que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas cherché selon la parole. Je mélange les passages pour revenir à 1 Chronique. Le psaume 75, le verset 5 ou le verset 4, ça dépend de la Bible. La Bible dit ceci, ça dépend des versions. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Amen. Amen. Ne levez pas la tête. Soyez humble dans la vie. Ma prière est que les membres de cette communauté aient la crainte de Dieu. Amen. Amen. Ma prière est que les membres de cette église soient humbles. Humbles partout. Celui qui s'abaisse, c'est celui-là que Dieu élève. David. Vous savez, David était très négligé dans sa famille. Il avait une obéissance terrible. Ce que David a fait, David a cherché une relation de cœur à cœur avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, l'homme, le roi selon mon cœur. David a fait, il a commis de grands péchés jusqu'à à faire tuer son compagnon pour avoir sa femme. Dieu dit, c'est un roi. David est l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David n'était pas parfait, mais il avait la crainte de Dieu. Quand il péchait, il cherchait toujours. Il avait un cœur repentant. Et un cœur repentant. Donc, il se répandait toujours. Et il se répandait. Ses actes. Tu dois pas mélanger Dieu dans ton cœur avec n'importe quoi. Tu dois chercher la repentance. La repentance. Sinon, tu fais un passage à vide dans la vie. Tu veux faire le surplace. Tu cherches à percer. Tu cherches des promotions. Tu cherches beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu fais à Dieu? David avait l'obéissance. Quand tu as l'obéissance, qui dit obéissance, c'est dans tous les domaines. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul nous parle d'obéissance, d'honorer les parents. Et c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Honore ton père, honore tes parents. Tu vas vivre heureux. Et tu jouiras d'une longue vie. Qui est donc ton père? Qui est ta mère? À l'église, ton père, c'est ton pasteur. Ta mère, c'est le pasteur. Au travail, ton père, c'est des responsables, des chefs. Ta patronne, dans la famille, ton père, honore, respecte. David, quand il dit dans le psaume 51, il dit que j'ai été conçu dans le péché. Ça veut dire que ce n'était pas un enfant qui était né dans le mariage.
Sa maman l'emmenait d'aller le laisser chez son père. David était abandonné. Il n'était pas aimé des hommes. Il était négligé. On a dit, va paître les brebis. Tout jeune. Et comme vous disiez le livre de 1 Samuel, quand Samuel est parti pour le oint, on a présenté un à un de ses frères. Lui, non. Il y avait des grands, il y avait tout le monde. La personne qu'on aime, on ne l'oublie pas. Amen. La personne qu'on aime, on ne l'oublie pas. Rien que ce passage révèle que son père ne l'aimait pas. Parce qu'il a oublié. Après, tiens, il y a un jeune qui est sur les montagnes là-bas en train de prêter les bras. Ceux qui détestent, ceux qui te haïssent, ceux qui te font des problèmes vont te chercher. Amen. Parce que tu es choisi de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Amen. Mais quand David sur la montagne, il avait un troupeau. Ce n'était pas son troupeau. C'est comme vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas mon troupeau. Vous êtes les brebis de Dieu. Amen. Le troupeau de David était le troupeau de son père. Le troupeau de Moïse était le troupeau de son beau-frère, beau-père. Que personne ne dise je suis chrétien ou fidèle ou brebis de Dr. Freddy. Non, c'est faux. Vous êtes les brebis de Dieu. Amen. Et moi, j'ai le mandat de vous conduire. Amen. Amen. C'est ça. Mais David avait l'obéissance. David avait l'obéissance. Il y a des gens qui sont arrivés chefs aujourd'hui parce qu'ils avaient le respect de la hiérarchie. Ils ont commencé comme on dit, man amitinda. Mais il est gradé, il a des diplômes. Va faire ceci, va, reviens. Va faire cela, il va. Il revient. Mais tellement tu es respectueux. Tu es obéissant. Je vais t'élever. On l'a élevé. Parce qu'il était obéissant. Aujourd'hui, ils occupent même des postes. Dans les administrations, dans les grandes administrations. Parce qu'il était loyal. Ça évite les maladies du cœur. La loyauté. L'obéissance. L'humilité. La sincérité. Voilà. Donc c'est ces éléments qui attiraient Dieu vers David. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, David avait déjà péché, il avait fait beaucoup de choses. Mais comme il cherchait la repentance, toi qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Juste la percée ou la repentance? Tu veux avoir, tu veux être. Dieu ne regarde pas à l'apparence, ça c'est des hommes. Dieu regarde au cœur. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Pas sa taille, non. Pas ses vêtements, pas sa parure, non. Je regarde au secret. Ce qui attire Dieu vers nous, c'est ce que nous faisons au secret, dans le secret. Pas devant les hommes. Pas devant les hommes. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es seul? Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, à l'église, avec la communauté. Ton langage, comment tu réponds aux autres? Chronique chapitre 15. Le verset 13.
David avait assez d'humilité. Ma prière est que, en sortant d'ici, quelqu'un se fasse très petit. Et je déclare l'onction de l'accélération sur cette personne. Amen. Dans la vie de cette personne. Amen. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur. L'onction de l'accélération. Le Dieu qui accélère. Fais-toi petit, va te lever. Fais-toi petit. Fais-toi petit. L'Éternel, notre Dieu, nous. Il ne parle pas de je. Quelle humilité. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappé. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Remarquez qu'il utilise le pronom personnel nous. Il ne dit pas vous. Il ne dit pas je. Nous. Il se mettait à la place des autres. Parce qu'il savait qu'ensemble, c'est une force. Ensemble, il ne faisait rien seul. Il n'a pas dit que c'est votre faute. Vous aurez dû m'éduquer, vous, pour que je comprenne. David ne dit pas ça. C'est à cause de vous. Non. Je suis votre chef. Pourquoi vous avez fait ça? Celui qui est humble descend. Niveau zéro. Il ne reste pas là, perché. Celui qui est humble, comprend les autres. Il comprend les autres. Il y a un passage dans Romains chapitre 12, verset 21, qui dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quel que soit ce qui peut t'arriver, ne te laisse pas vaincre. Tu restes en moi. La promotion que tu cherches dans ta vie. L'élévation que tu cherches dans ta vie. Ça va arriver quand tu vas te faire petit. Quand tu te feras petit. Un cœur dur. Un cœur sans compassion. Un cœur sans pardon. Un cœur sans amour. Mais Dieu nous fait passer parfois par des tests. Souvenez-vous de Deutéronome 30, verset 6. Il dit que moi-même, je vous circoncirai votre cœur. Je ne sais pas pourquoi, comment il va faire pour circoncir ton cœur. Pour inonder. Pour élaguer les mauvaises herbes dans ta vie. Tu ne sais pas comment il va faire. Il a dit lui-même, il va le faire. Les choses que plus vous vivez les difficultés, plus vous comprenez ces choses. Romains 8, 28 nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand les mauvaises choses t'arrivent, il ne faut pas en vouloir. Même celui qui est la cause de ces choses.
C'est Dieu qui utilise ces choses pour que tu passes par un test. Tu dois être résistant, persévérant. Tu sais une chose, que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Tu t'es dit, ce qui m'arrive, même combien ça se présente du côté négatif, tu dis que c'est pour mon bien. Amen. Amen. Ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Même le mal. Parce que dans tout, il y a tout. Il y a tout. Amen. Amen. Dans tout, il y a tout. Qui dit tout, il n'y a pas d'exception. Ça veut dire que dans tout là, il y a le bien et il y a le mal. Mais tu ne vas pas seulement dire que quand les bonnes choses t'arrivent, c'est bien pour toi. Non. Même quand les mauvaises choses arrivent, tu sais que c'est pour toi. C'est pour ton bien. Jésus est un Dieu si bon, il avait compris ces choses. Sur la croix, il déclare une première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux dire ça aussi à tes détracteurs? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui te font du mal, ils ne savent pas. Tous ceux qui te brisent le cœur, ils ne savent pas. Il pousse Dieu vers toi. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. On te brise le cœur pour que Dieu soit avec toi. Qu'il agisse puissamment dans ta vie. Nous avons déjà parlé de 2 Chroniques 7, à partir du verset 10. Dieu te prépare. Dieu te fait passer par les tests. Fais-toi petit, il va t'élever. Fais-toi petit, il va t'élever. Supporte les offenses. Supporte les outrages. Pardonne, pardonne ceux qui te font du mal. C'est pour ça que Dieu dit, dans la Bible, dans Marc chapitre 11, verset 25. Quand tu pries, tu te souviens que tu as quelque chose avec quelqu'un. Pardonne, pardonne, pardonne. Tu dois pardonner. Dis à ton voisin, je veux être serein dans ma vie. C'est une déclaration puissante. Je veux être sérieux dans ma vie. Je veux vivre dans la crainte de Dieu. Dans la sincérité. Dans l'humilité. Dans l'amour. Au nom de Jésus. Et tu acclames ça. Tu dois grandir dans ta foi, dans ta manière de vivre, dans ta manière de faire. La fois dernière, nous avons dit, nous ressemblons à nos parents. Mais quand tu es en Christ, est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ? Est-ce que les gens voient en toi les caractéristiques de Jésus dans ta vie? Est-ce qu'on peut directement te distinguer dans les hommes? Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez. Je répète encore cette parole. Que dans nos bouches sorte toujours Dieu pardonne. Que Dieu bénisse. On aura moins de problèmes dans la vie. Que Dieu pardonne et que Dieu bénisse. Amen. Amen. On te fait du mal, que Dieu pardonne. On te fait du bien, que Dieu te bénisse. Il n'y a que ça.
on doit faire cet exercice. Nous devons apprendre à vivre comme ça. Pour dire que Dieu vit en moi. Je suis le temple de Dieu. Si je suis le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu est dans mon cœur. Je ne mélange pas l'amertume. Je ne mélange pas la médisance dans mon cœur avec mon Dieu. Dieu aime quoi? La louange. Dieu aime quoi? L'adoration. Psaume chapitre 22, verset 4 dit que il siège au milieu de la louange. Quand il siège, ça veut dire Dieu soit avec son trône, c'est pour recevoir l'adoration. Et quand tu reçois l'adoration, il condamne tout ce qui te dérange. Amen. Amen. Il juge le mal, il juge tout ce qui te dérange, mais pas toi. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons à vivre dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu dans l'invisible. Regardons Dieu partout. Regardons Dieu partout. C'est difficile de voir Dieu chez l'autre. Nous perdons le temps dans les jugements bizarres. Nous jugeons les autres. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu veux t'élever? Fais ce que Dieu te demande. Respecte l'obéissance. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que il aime Dieu et il n'aime pas ses serviteurs. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ses enfants. Quelqu'un qui n'aime pas ton père, il ne faut pas s'attendre qu'il t'aime. S'il dit qu'il t'aime, c'est un menteur. Amen. Parce qu'il n'aime pas ton père. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer les enfants de Dieu. Donc pour dire que tu aimes Dieu, aime celui que tu vois tout le temps, tous les jours. Tu respectes Dieu, respecte ton pasteur. Respecte ton parent, tes parents. Respecte l'autre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer le changement dans ta vie maintenant? On se lève, on va prier. Tu dois déclarer le changement, la transformation dans ta vie. Que tu sois une nouvelle personne. Que cette parole te transforme. Que cette parole te change. La parole change tout. Mais tu dois être disponible et disposé au changement. Afin que ta vie change aussi. Déclare la transformation. Le changement total et complet dans ta vie. Que tu vives selon la crainte de l'Éternel. Que tu sois sincère envers toi-même. Et sincère envers Dieu. Sincère envers les autres. Déclare la parole. Prophétise dans ta vie maintenant. Prophétise dans ta vie maintenant. Tu es pur. Tu es pur. Parce que tu as prêché la parole. La parole qui est remplie. La parole de chant. C'est la parole qui te transforme. Mais c'est l'amour qui chante. C'est l'amour qui chante. Jésus. Jésus. Oh Seigneur. I love you.
parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu as reçu la parole, donc tu as reçu Dieu. Prophétise maintenant dans ta vie. Tu es le seul prophète, le premier prophète dans ta vie. Prophétise, prophétise dans ta vie. Ce jour dans la vie de tout un chacun. Que l'honneur et la gloire soient à toi seul qui règne au siècle des siècles. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur soit à toi qui règne au siècle des siècles. Ainsi, Seigneur, oui, je recommande au Satan serviteur entre tes mains pour ce que, Seigneur, tu as mis en son cœur. Pour, Seigneur, l'insigne de l'éternel que tu as fait découler de sa personne. Parce qu'il m'a dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes peuvent parler de toi. Les hommes peuvent parler de ta part. Alors Seigneur, remplis-le. Seigneur, renouvelle les forces dans sa vie. Seigneur, renouvelle les forces dans sa vie. Afin que de là où il a sorti, Seigneur, oui, les forces qu'il en reçoive encore de par toi. Parce que tu es, Seigneur, le pourvoyeur de nos vies. Tel il aime me le dire, Seigneur. Tu es le seul à pourvoir encore dans la vie de tout un chacun. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Aussi là où tu es, tu vas prier pour le pasteur. Mais élevé, maintenant tu vas prier pour le pasteur, Freddy Laoui. Élève tes voix avant de commencer à libérer cette parole pour sa vie. Monsieur le Saint-Esprit, Monsieur le Dieu de sa vie. Libère les paroles, prie pour le pasteur. Puis que les âmes aient appris dans ta vie. Les âmes aient appris dans ta vie.
vous allez agir puissamment dans ta vie. Oui, pour mon pasteur. Venez ta voix, je vais prier pour ce ministère. Le seul Dieu prend le contrôle du ministère. Commence à prier dans votre vie. Commence à prier. Seigneur Dieu, que les guérisons se manifestent, que les transformations s'opèrent, que nous ayons, Père éternel, ta crainte, que nous vivons selon ta crainte, que nous vivons selon ta parole.
Fais agrandir notre foi, Seigneur Dieu. Sans laquelle, Seigneur, nous pouvons vivre ta présence. Père, tourne ta face, Seigneur Dieu, vers tes enfants. Et fais luire, Seigneur Dieu, ta gloire. Qu'ils rentrent, Seigneur Dieu, et qu'ils partent, Père, avec la puissance de ta parole. Que les effets de ta parole, Seigneur Dieu, soient manifestes dans leur vie. Alléluia. Que nul ne tienne devant eux comme ils vivent. Entre en scène dans leur vie. Dans leur vie professionnelle. Entre en scène dans les dans tous les domaines de leur vie, Père éternel, afin qu'ils prospèrent à tous égards. Père, qu'en sortant d'ici, Seigneur, que le monde sache, que le monde comprenne, Père éternel, que nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit avec tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons tous ensemble trois fois Amen. Amen. Heureux week-end à tous. Et que la paix soit avec les chants de confiance. Ceux qui ont rempli peuvent donner. The whole earth shakes.